Et yep les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc ce sera la dernière de ce DLC, donc pour vous montrer les lieux de production. Donc j'allais acheter un lieu de production. Donc on va y aller directement. Donc c'est l'ordinateur qui se situe dans votre QG de motard. Donc moi j'ai celui le plus cher, donc à 495 000 dollars. Donc voilà. Donc là, hop là, on va faire A. Donc par contre, il faut être en ligne pour faire ceci. Donc voilà, donc là vous avez faux papier, cannabis, fausse monnaie, méthamphétamine et cocaïne. Donc voilà, donc là je vais acheter le plus fort donc en votre compagnie. Donc vous allez voir, c'est celui de cocaïne le plus cher à 1 852 000. Hop là, acheter maintenant. Hop là, donc voilà. Donc là, vous voyez, je viens de l'acheter. Donc on va falloir y aller directement. Donc j'ai fait une petite coupure le temps d'y aller car ça sert à rien que je vous montre le trajet. Donc là, donc je vais faire une toute petite coupure juste le temps d'y aller et on visitera les lieux donc de la cocaïne. Donc là, il y a la fin de la vidéo, vous verrez donc tous les lieux cocaïne mettant en effet la meth et tout ça. Donc là, donc vous verrez la meth, la cocaïne, le cannabis, la fausse monnaie et les faux papiers. Donc voilà, vous verrez tout. Donc là, j'ai hésité à vous spoiler la vidéo parce que j'ai vous spoiler un autre truc, pour ça je me suis coupé en plein milieu. Donc j'ai expliqué pourquoi je vous ai pas dit. Donc là, les chargements pour aller dans les lieux de production cannabis et tout ça, faux papiers, enfin un petit peu tous les lieux de production. Donc c'est assez long. Donc je sais pas si c'est qu'il y a, genre il y a que moi où ça fait ça ou à d'autres personnes aussi, mais en tout cas c'est très très long. Donc voilà, donc vous voyez que ça dure au moins 20 secondes l'écran de chargement. Donc voilà, donc là vous pouvez voir donc le lieu de production, donc la cocaïne. Donc la production a été suspendue le temps que les matières premières et le matériel de préparation nécessaires soient livrés. Une fois que le lieu de production sera actif, votre club pourra traiter et vendre de la cocaïne. Vous pouvez voir que c'est vraiment beau. Accès au site d'administration Open Road depuis cet ordinateur portable sécurisé pour faire tourner votre lieu de production. Vous pouvez également localiser le matériel et les matières premières nécessaires à la production. Sélectionnez l'option lancer la préparation pour commencer. Donc là c'est ce qu'on va faire en premier. Donc là vous pouvez voir que je vous montre un petit peu vite fait, mais là il n'y a rien. Donc autant que je vous montre après. Donc là il rentre son petit code secret. Hop là. Donc lancer la production. Et après je vous montrerai donc les améliorations. Hop là, donc lancer la production. Donc le temps que je vais chercher donc la production, je vais faire une toute petite coupure parce que en fait comme je suis en ligne, on était plus de 26, donc voilà, ça se peut qu'il y en ait qui genre cherchent la merde et tout. Donc du coup j'allais leur régler leur compte. Donc leur je suis petit quad. Donc celui qui vous fait ça, il s'appelle Long du Zob. Donc son nom c'est chelou, mais voilà. Donc moi je vous dis à tout de suite, le temps d'une petite coupure. Et donc là vous pouvez voir que je viens juste de revenir. Donc là je suis en tome pas. Donc là on va directement aller au lieu de production. Hop là, donc on a un petit cercle jaune, on se met dedans. Donc vous avez vu que j'avais mis l'invisibilité sur le radar pour être tranquille. Enfin voilà, je pense que pas mal de monde en fait ça. Parce que oui, on peut mettre l'invisibilité au radar. Donc j'étais assez content parce que comme maman les joueurs doivent nous tuer, bah là ils pouvaient pas. Enfin du moins j'étais invisible pour eux quoi. Enfin bref, vous m'avez compris, j'espère. Donc là, voici la zone de production, puis stockée sur ces palettes, les matières premières seront utilisées pour poursuivre la production. Donc vous voyez que ce sera sur ces palettes-là que votre production donc sera. Donc là, si vous atteignez la capacité maximum, le stockage de votre lieu de production, ou si vous êtes à quoi de matière première, la production s'arrêtera. Donc là, on va aller directement sur le PC pour améliorer donc l'entrepôt. Donc vous allez voir. Par contre, ouais. Ça met assez long donc les cinématiques, donc c'est pour que vous puissiez lire les annotations qu'ils ont mis à gauche. Donc là il y a encore l'ongle du Zob qui nous parle. Donc là il dit que c'est notre premier jour de production. Hop là. Donc là, on va aller sur The Open Road, acheter amélioration. Donc pour faire la production, on va faire absolument du personnel. Hop là. Donc là, moi j'ai acheté donc une amélioration donc du lieu de production. Donc vous pouvez voir que ça a changé. C'est plus stylé comme ça entre nous, hein, d'accord, je pense. Donc voilà.
Ensuite, allez, on y retourne. Donc vous avez pour plus de 3000, ouais, vous avez au moins pour quasiment 3 millions hein, à toutes les améliorations et tout ça. Hop là, donc le personnel. Et ensuite, encore pour les la sécurité. Donc là, 570 000. Hop là, donc ouais, vous en avez au moins, ou vous en avez pour 3 millions pour le plus cher. Si vous voulez vraiment acheter tout au max. Donc là, vous pouvez voir à quoi il ressemble, donc le lieu. Donc là, il faut juste attendre que le garde vienne. Donc c'est pour ça que je vous ai fait une petite coupure et qu'on verra ça juste après. Donc là, je vous montre vite fait hein, où c'est que les. Ah, j'ai un trou là. Bah, nos serviteurs, on va dire entre guillemets, vont travailler. Donc voilà. Allez. Donc moi, je vais faire une toute petite coupure. Juste le temps, hop là, de vous montrer tout ça. Donc voici avec la sécurité. Donc là, vous pouvez voir qui sont là. Et donc là, on a nos employés. Donc là, j'ai retrouvé le mot. Donc nos employés, donc qui sont là. Donc vous pouvez les voir travailler. Donc excuse-moi, j'ai eu une petite coupure vite fait. Donc voilà. Donc là, on peut voir que ils travaillent tous. Donc ils sont aussi en maillot de bain avec des charlottes et des gants. Donc pour travailler. Donc il y en a qui ont des gants, il y en a qui les ont pas. Donc là on va passer au prochain. Hop là. Donc là on va à la fausse monnaie. Donc j'ai fait aussi pareil. J'ai fait aussi la livraison et tout ça. Vous pouvez voir la fausse monnaie en train de se faire. Donc ça je trouve ça vraiment vraiment stylé. C'est vraiment un truc de fou pour faire ça. Enfin là il y a vraiment tous les détails. Vous pouvez voir les machines à laver qui vous permettent je pense de blanchir l'argent. Si je me trompe pas hein, je pense que c'est un truc du genre comme ça. Enfin après je fais pas ça donc je vais pas vous dire à quoi ça sert mais voilà. Donc là vous pouvez voir qu'il y a un monsieur qui regarde, qui vérifie. Donc c'est encore cool. Hop là, donc là on va passer au prochain. Qui est ouais c'est ça, je crois que c'est la métaphanie. Attends, je vais vous dire le nom exact parce que je m'en rappelle plus. Enfin voilà. Donc c'est la méthamphétamine. Voilà. Donc j'ai perdu le nom. Donc là c'est la méthamphétamine. J'ai toujours des trous. La méthamphétamine. Donc ça c'est chaud. Donc la méth hein, pour être plus vite. Et voilà. Donc là on peut voir qu'est-ce qu'il faut. Donc là je trouve ça vraiment stylé. Il y a beaucoup de choses dedans. Donc faut que ça change des autres. Donc ouais, donc là on va passer au prochain. Hop là. Donc là c'est pour les faux papiers. Donc là on peut voir qu'il y a aussi un garde hein, comme tout le temps. Et on peut voir qu'il y a des employés qui regardent, qui vérifient tout. Enfin c'est vraiment bien. Faut que c'est l'un des meilleurs lieux de production, c'est vraiment stylé. C'est l'un de mes préférés. Donc là vous pouvez voir vraiment tout dans les détails, donc je vous montre vraiment. Et c'est un qui rapporte le plus aussi. C'est un qui en rapporte beaucoup d'argent. Donc là on va passer au prochain. Donc voilà. Donc là c'est le cannabis. Hop là, donc vous pouvez voir qu'il y a un garde. Il y a des employés, mais on dirait plutôt des jardiniers. Hein. Mais voilà, c'est toujours des employés de toute façon. Un jardinier c'est un employé donc voilà. Des ventilateurs et une lumière violet. Donc là tout ce que je vous montre ont été améliorés donc voilà. Là c'est le maximum, l'amélioration maximum. Donc là c'est tout pour cannabis. Hop là. Donc voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et pour plus de vidéos, abonnez-vous. Moi je vous dis peace et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.